Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc, Gane Ndiaye, Warul Tit, Warul Ragal, Yalan Yal Moussel, Ti, Corona, Virus. Donc, on va parler, dans le moment, quoi, Jeux Olympiques. Je fais une vidéo, mais il faut que je fasse une vidéo. Jeux Olympiques, Sénégal raté, maintenant, trop. Pourquoi? Parce qu'avec le potentiel des jeunes Sénégalais, donc, imaginez Sénégal qualifié Jeux Olympiques 2020. Donc, on aurait une équipe de feu. Parce que Ismaël Sarr, mon nom Wachat, Moussa Ouye Krepin Diata, mon nom Wachat, accompagner les jeunes joueurs. Imaginez que Bolé, Moussa Ouye, Ismaël Sarr, Krepin Diata, nous voulons jouer avec Boy. Que Bolé, Pamarasa, John Le Petit Milieu, Moussa Ndiaye, c'est défense. Non, c'est une équipe qui est en train de jouer avec Boy, ou pas. Parce que on permet de sélectionner des joueurs de plus de 23 ans, donc 3 jours. Donc nous, on a un peu de Donc, vraiment, Sénégal reste une occasion. Donc, aussi, je m'admette, à chaque fois, j'ai un appel à nos fédéraux. Les Jeux Olympiques, Sénégal, ils doivent les rater. Parce que, il faut que nous devions faire ce football petit catégorie. Il faut qu'on gagne des trophées. Nous avons une finale U17, donc une U20, Cannes, nous avons une quart de finale Coupe du Monde. Mais on doit surtout gérer le football olympique. Parce qu'il y a un avantage. Actuellement, sur nos ossatures, sur nos cadres d'équipe nationale du Sénégal, c'était la génération 2012, Londres 2012. Parce que les Jeux Olympiques, ils ont fait Cameroun. Donc, Samuel Eto'o, donc Patrick Mboma, ils ont gagné les Jeux Olympiques 2000 face à Puyol et Xavi, et Nyom Gabri, en 2000. Même équipe, ils ont gagné. Nyom Nolet Atama Meyer, Nyom Salomon Olembe, Jérémy Ndjitap, plus Ndjefi. Ils ont gagné Cannes 2000 et Cannes 2002. Donc, les Jeux Olympiques, ils ont fait Nigeria, génération 1996, Nyom Nwanko Kanu, JJ Okwasa, Sunday Elise, Jordi Finidi. Nous faisons. Non, vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Football U23, il faut être différent. Parce que quand on fait ça, il y a des supporters qui ont fait l'équipe nationale U23, l'équipe nationale espoir. L'équipe nationale, il faut être les espoirs. Nous avons ni nous sommes en antichambre, nous sommes en buntu, nous sommes en équipe humaine. Donc, il y a Ibrahim Niane, Ali Oubadji, Ibrahim Ndiaye, Messi, Moussa Ndiaye, Kavin Diagne, Pam Diagayat, mais il faut que les joueurs aussi. Gëna fass jom bu ñu équipe nationale donc U23 amna aussi Joseph Koto qu'il fasse les bons choix parce que même bo jëlone bu Sénégal qualifié won Jeux Olympiques avec son jori U20 nga bolé ñom Ismaël Sarr ñam expérience bu paré jeune a mëna ñoo waccat ñeu jouer Jeux Olympiques nga bolé Ibrahima Niane jori nga xamanté il monte en puissance et Moussa Koné donc Sénégal n'a force de frappe nga dem Jeux Olympiques bu baax donc da ngay préparer équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar Sénégal mëna ñoo def différence donc vraiment sur une équipe nationale U23 bi nanga défarat supporter yi gën ko xam parce que moy porte d'entrée pour la sélection senior parce que c'est bien beau je mën na toté ñu woko mais mu jaar équipe nationale U23 dafa baax dafa déjà na sol maillot bi na am les réalités donc bu démé équipe nationale senior day gëna yomb donc nanga gëna défarat sunu football U23 yi sunu équipe nationale espoir bi nanga gëna défarat pour la bonne marche du football sénégalais Donc, Gane Ndiaye, Warul Tit, Warul Ragal. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à votre compte Instagram Grégoire et page Facebook Grégoire Omnisport. Donc, Gane Ndiaye, Warul Tit, Warul Ragal.